Je vais immédiatement passer la parole à Yanis, qui va nous entretenir de cette question et prouver ses hypothèses, questionner ou révéler ses a priori, point d'interrogation. Merci. Merci également aux organisateurs de cette journée, ainsi qu'aux autres intervenants et puis aux personnes présentes dans la salle et en ligne pour cette belle journée. Avant toute chose, j'aimerais m'excuser par avance parce que mon ordinateur m'a lâché hier soir, donc ça risque d'être un peu laborieux. J'ai perdu toutes mes notes, je les ai refaites à la main dans l'avion ce matin. Donc, on va faire comme on peut. Ensuite, concernant la question que vous venez de poser, à savoir si on va pouvoir répondre au comment, je ne pense pas que ce sera moi qui vais le faire, tout simplement parce que je ne suis pas du tout théoricien. Je suis un administrativiste qui travaille en droit économique et qui s'est essayé à l'épistémologie, à la théorie du droit. Et donc, ma prise de parole va relever davantage d'un témoignage épistémologique que d'une quelconque tentative d'apport doctrinal. J'ai écrit ma participation en même temps que Pénélope Dufour, dont je regrette malheureusement qu'elle n'ait pas pu être présente aujourd'hui. On a décidé de répondre à l'appel parce que on regrettait tous les deux l'absence d'enseignement relatif à l'épistémologie dans nos parcours juridiques et aussi parce qu'on avait commencé des réflexions concernant la pédagogie en droit administratif et la possibilité de transmettre un savoir engagé. Et au lendemain de cette discussion, on est tombé sur l'appel à contribution, on a décidé d'y répondre. Et donc, je vais vous expliquer en quoi va consister ma participation. Elle va surtout consister à vous conter le cheminement de ma réflexion au contact de la question qui nous intéresse aujourd'hui. C'est tout simplement ce que je me suis demandé à l'occasion de devoir questionner mes a priori dans mon travail de thèse, chose que j'avais très peu faite. Auparavant, dans la mesure où ça n'était pas ma démarche, ça n'était pas, je n'avais pas le souci de la conscience de mes outils. Ainsi, j'espère que ce travail, à défaut d'un quelconque apport doctrinal, en plus de m'avoir été utile, pourra l'être pour d'autres jeunes étudiants et étudiantes qui démarrent un travail de thèse comme moi. J'en suis au début de ma deuxième année, mais je suis en CIF, en cabinet d'avocat, et mon financement a commencé il y a 2 mois. Donc en vérité, je suis au tout début. Donc voilà pour la très brève introduction concernant le contexte et le sens de ma participation. Donc je vais procéder à des va-et-vient entre des pistes épistémologiques et des illustrations relatives à mon travail de thèse, non pas des preuves, bien des illustrations. Ce qui relève en définitive peut-être simplement d'un plaisir épistémologique que je me suis accordé en ce début de thèse. Donc concernant l'a priori, si on s'en tient juste pour commencer à la définition du Larousse, l'a priori c'est ce qui fonde sur des données antérieures à l'expérience un raisonnement. C'est aussi un raisonnement avant tout examen approfondi. On a une autre acception plus péjorative, qui est celle de l'affirmation sans preuve, gratuite, arbitraire. On retrouve cette ambivalence dans la définition retenue par Michel Dufresne dans son ouvrage « La notion d'a priori », puisqu'il nous explique que l'a priori se définit bien par rapport à l'expérience, mais comme ce qui lui est antérieur, donc c'est ce premier aspect, pour ensuite expliquer que, et c'est ceci qui détermine déjà sa nature transcendantale. On comprend ainsi que l'a priori peut voir provoquer au moins 2 attitudes chez le chercheuse. Il semble constituer de par sa nature transcendantale un obstacle au travail de recherche, d'une part, mais aussi un préalable donné et donc un indispensable. Michel Dufresne continue en soulignant que la réflexion fait apparaître l'a priori comme condition de l'objectivité
comme condition de l'a posteriori et l'a posteriori comme condition de la légitimité de l'a priori. Cette ambivalence constituera donc le fil conducteur de ma présentation visant à questionner mon objet par mes a priori. Il me manque un mot, mais c'est pas grave, je vais le faire de mémoire. Donc, mon travail de thèse consiste à questionner qu'on appelle la compliance, et qui consiste donc à s'intéresser à la prévention des risques juridiques, mais dans un contexte sectaire public, dans un contexte de droit public. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la rencontre de ces deux objets, le droit public et la compliance. La compliance, c'est tout simplement la prévention des risques juridiques, et un exemple de la vie quotidienne, ce serait le moment où le caissière ou la caissière demande à une personne d'un jeune âge physiquement de présenter sa carte d'identité avant d'acheter de l'alcool, ce qui signifie tout simplement qu'elle a identifié, cette personne a identifié un risque juridique et qu'elle met en place une mesure de gestion, pas une mesure de droit, une mesure de gestion qui vise à prévenir ce risque juridique. Et moi, je m'intéresse à l'intégration de ce genre d'outils, de ce genre de mécanismes en droit public. Or, il se trouve que l'observation de l'intégration de la compliance en droit public fait naître des incidents juridiques. Il semble que certains outils de la compliance trouvent des difficultés à être appliqués par les acteurs publics. Il est possible que l'existence de procédures davantage rigides justifie ces difficultés. Davantage rigides dans un secteur dans un contexte de droit public justifie ces difficultés. Mon travail de thèse ambitionne de lister ces incidents juridiques, étudier la possibilité de les dépasser, mais également questionner le pourquoi de ces incidents. L'observation et la recherche des causes de ces incidents juridiques provoquent des intuitions spontanées, traduites en hypothèses saillantes, me permettant de faire face à mon questionnement et m'autorisant donc une direction non équivoque. Concrètement, dans le cadre de ma thèse, cela implique de supposer que la tradition objective du droit public et l'indisponibilité des compétences des personnes morales de droit public sont des obstacles au développement de mécanismes d'autorégulation prophylactique. Plus encore, cela suppose de postuler que ces modes de régulation ne peuvent prospérer que dans l'hypothèse d'un recul des normes élaborées par le politique. Ces constats de départ sont en grande partie la conséquence de la pratique de mon objet d'étude. En effet, je suis à la fois en cabinet d'avocat et en laboratoire, si je puis dire, à Nanterre. Cette approche justifiait donc le choix de ma cifre et elle permet d'observer l'application de mon objet d'étude, son appropriation par les acteurs, ainsi que le contentieux qu'il peut impliquer. Pourtant, l'édiction d'hypothèses fortes présente des risques épistémologiques qui me semblent renforcés par leur origine empirique. En étudiant d'abord les a priori comme obstacles au travail scientifique, je vous propose de m'intéresser à ces derniers comme obstacles au travail scientifique pour ensuite les étudier comme source de questionnement scientifique. Donc d'abord les a priori comme obstacles au travail scientifique. S'intéresser à ces a priori comme obstacles au travail scientifique, doit nous permettre de nous confronter à l'idée de vérité, mais aussi au sentiment de vérité. Questionner nos objets par nos a priori doit permettre de mettre à jour les fondements épistémologiques sur lesquels, consciemment ou non, repose notre travail. Donc cette première partie, je vais la commencer par une citation de Monsieur Bachelard, qui nous explique que l'esprit n'est jamais jeune, car il a l'âge de ses préjugés. Il convient donc de se demander s'il est possible de rajeunir, et si oui, comment. J'ai d'abord cherché dans un souci de réflexivité et un rapport d'opposition entre les a priori et l'objet de la recherche à éprouver mes hypothèses. Donc,
le A de mon rang 1 est intitulé « Éprouver ses hypothèses afin de questionner ses a priori ». Afin de questionner mes orientations, il m'est apparu nécessaire, cela a été mon premier réflexe, de confronter mes hypothèses en ce qu'elles peuvent fossiliser les a priori existants au moment de leur formulation, de confronter mes hypothèses à mes a priori. De ce point de vue, les hypothèses fournissent une photographie au moins partielle de la rencontre entre son objet et ses a priori. Pour reprendre les termes du professeur Berthelot, cette opération est le lieu où se noue le choix, où se concentrent les alternatives et les orientations disponibles à un moment donné. L'intérêt d'une démarche scientifique repose sur l'échafaudage d'une hypothèse à laquelle il convient ensuite de confronter les résultats de l'expérience. L'objectif de cette opération, visant à confronter mes hypothèses, est de penser contre soi, en évitant toute dogmatique complaisante, pour reprendre les termes de Daniel Lechac, et pour éviter de passer de la construction d'un modèle à la recherche, voire à l'imposition d'un bon modèle. On souhaite, en quelque sorte, maîtriser le risque épistémologique. Cette tentative de mise à l'épreuve peut comprendre une première dimension dont les composantes varient notamment entre des facteurs sociologiques, psychologiques et disciplinaires. Les éléments ici visés, tels que les tropismes, voire les habitus du chercheur ou de la chercheuse, précèdent la rencontre avec l'objet de la recherche et sont censés expliquer les intuitions produites lors de cette rencontre. Je vais basculer sur de l'illustration. Donc, il est possible de s'essayer à lister les différents éléments qui pourraient expliquer nos orientations et présenter le risque épistémologique de transformer son travail en quête rhétorique. L'ambition étant celle de l'exhaustivité, cette astuce pourrait nous permettre d'acculer nos hypothèses en portant un regard suspicieux sur ces dernières, impliquant d'envisager à chaque fois les postulats contraires. Il conviendrait donc de lire les auteurs qui soutiennent des thèses opposées aux nôtres et plus généralement à ce que l'on a identifié comme nos biais. Ces lectures se doivent donc d'être pluridisciplinaires en ce que nos biais le sont. À titre d'exemple, je dois me méfier de mes affinités socialistes qui comportent certainement des explications sociologiques et provoquent un désamour pour le recul du service public que j'observe dans mon sujet d'études. Et donc un rejet spontané de l'idée d'un intérêt général poursuivi par le marché. En effet, ces considérations peuvent induire une surinterprétation des incidents juridiques précédemment évoqués. Je dois également me méfier de ma formation académique d'administrativiste par laquelle j'ai été incité à retenir une définition précise du service public et des bienfaits de la gestion publique qui crée des affects et donc des réactions à toute forme d'atteinte à ce modèle. Enfin, dernier exemple, je dois craindre le fait qu'il me semble difficile de concevoir le savoir sans l'enseignement. En conséquence, lorsque je travaille, je songe aux meilleures façons de transmettre, notamment aux profanes, le produit de mes recherches, ce qui implique des tropismes vulgarisants, consistant notamment en une recherche constante de grandes tendances, mais également de comparaisons, métaphores, analogies, etc. etc. L'idée de cette démarche, c'est qu'elle doit aboutir à un rapport moins conflictuel avec son objet, et lorsque cela est nécessaire, à des formulations plus nuancées de ses hypothèses. Après tout, pourquoi pas? Ces considérations quelque peu caricaturales me permettent de faire œuvre de prudence dans les rapports entretenus avec mes hypothèses. Pour mon cas personnel, cela implique, par exemple, de penser sans faire semblant la possibilité d'une compliance publique. Mais elle présente surtout le risque de s'abriter derrière une neutralité de façade, pour reprendre les termes de Daniel Lechain. Ce serait une vaine tentative de rajeunir, pour reprendre les termes de M. Corcuff. Cette sociologie spontanée, cette psychologie spontanée, ne devrait pas aboutir à une illusion de la transparence. Parce qu'en effet, cette approche est très hasardeuse, car elle prétend une exhaustivité impossible, et en plus, elle apporte des réponses qui ne prévient pas l'apparition de nouveaux biais et donc de nouveaux a priori. C'est une ambition insatiable. Du point de vue du chercheur ou de la chercheuse, cette démarche semble même relever d'une forme d'héroïsme. Elle atteste d'une
prétention de l'esprit, ou tout du moins d'une démarche davantage assimilable à de l'introspection qu'à de la science. Du point de vue de ses pairs, elle adopte une méthodologie trop individualiste, avec les limites associées à ce genre d'approche, impliquant notamment de confondre les préférences du chercheur, impliquant notamment de rechercher les préférences du chercheur plutôt que d'assurer sa neutralité axiologique. Elle est ainsi hors sujet, comme le souligne Alban Dessalines, en faisant l'erreur d'oublier l'objet pour se concentrer sur celui qui le pense. Dès lors, plutôt que de questionner son objet par ses a priori, on se met à questionner ses a priori par son objet. Cette approche individuelle néglige également l'aspect collectif de la recherche. En effet, le soi du chercheur, c'est une citation que je vous retrouve ensuite, comme j'ai refait à la main, je cite quelqu'un, je ne me souviens plus qui, je suis désolé. En effet, le soi du chercheur, contre lequel on est en train d'essayer de penser, est inséré dans le réseau que forme sa communauté scientifique. Enfin, cette approche me paraît, et peut-être surtout, cette approche me paraît contre-productive en ce qu'elle peut dissuader de faire naître de nouvelles questions, voire de penser des alternatives, et risque même de disqualifier des objets. Le couplet que je viens de réciter peut en effet paraître quelque peu caricatural. Il me paraissait néanmoins utile d'évoquer ces éléments méthodologiques, car il me semble s'inscrire dans des controverses relatives à la recherche militante. En effet, je crois désormais savoir que les tenants d'une recherche militante ou engagée, comme ses détracteurs, sombrent parfois dans le même écueil lorsqu'ils concentrent leurs critiques sur la personne du chercheur et ses orientations politiques. Que ce soit pour revendiquer un titre censé conférer une légitimité ou disqualifier indistinctement des travaux du fait des questions qu'ils posent, la démarche ne me paraît pas scientifique. Ainsi, plutôt que de questionner ses a priori, il me paraît davantage... Comment ? C'est Siri qui s'en mêle. Je m'en occupe. Je rencontre des problèmes de connexion. Voilà, je vais essayer un peu plus tard. Oui, d'accord. Ainsi, je ne sais pas comment on coupe. Il va vous retrouver votre ordinateur. C'est il est cassé. Je ne l'ai pas perdu, il m'a lâché. Non, mais il va le ressusciter. Siri, ressuscite l'ordinateur de Yanis, s'il te plaît. Allez, on y va, pardon. C'est pas grave. Ainsi, plutôt que de questionner ses a priori, il me paraît davantage pertinent de le révéler au fil de son travail. Cette révélation implique un important travail épistémologique qui doit aboutir à des choix en conscience d'ordre méthodologique. Mon B consiste à s'intéresser à la question de révéler ses a priori pour mieux questionner son objet. Je commencerai encore par une citation. Le principe de vie et d'efficacité de la science, c'est la méthode. Donc, c'est une citation de Maurice Deslandres, aperçue dans le manuel de Véronique Champagne-Desplat. En effet, ce qui me semble pertinent, ce n'est pas de faire son introspection, voire sa psychanalyse, mais plutôt d'être en mesure de se situer épistémologiquement, c'est-à-dire comprendre nos outils d'analyse, leur scientificité, et être capable de les utiliser correctement. Il faut donc être en mesure de s'auto-référencer pour soi et pour les autres, communauté scientifique ou, pour ma part, jury de thèse. Le souci de la méthode plutôt que celui des prétentions me semble, dans le cadre de cet exposé, d'autant plus important que nous sommes, comme le souligne Edgar Morin dans son introduction à la pensée complexe, la source du choix des questions et des instruments supposés y répondre. C'est pourquoi nous choisissons si fréquemment nos moyens d'exploration en fonction des objets à explorer et réciproquement nos objets en fonction de nos moyens. Chose qui est censée être, qui peut être inscrite dans ces hypothèses. Mes hypothèses peuvent ainsi révéler les choix épistémologiques qui, au stade de l'a priori, sont inconscients, du moins dans mon cas personnel, un administrativiste en herbe qui n'a jamais eu à côtoyer le terme épistémologie au cours de ses 5 années de droit. L'épistémologie doit permettre de révéler les postulats impliqués par les diverses approches du droit et mettre à jour les préjugés personnels et collectifs que véhicule la recherche. Concernant mon hypothèse, la question de la juridicité de la compliance implique nécessairement de devoir disposer d'une ontologie du droit.
Cela implique, par exemple, de s'intéresser au réalisme juridique, à sa capacité à analyser les risques inhérents à un droit flou. Cela implique encore de se pencher sur la définition fonctionnelle de François Host pour enfin faire un choix assumé et justifié. Ce projet consiste ainsi à se rendre critiquable en fournissant les moyens de reconstitution du savoir, c'est-à-dire à ôter son masque. Et là, je cite encore une personne dont j'ai oublié le nom, et je m'en excuse. Pour autant, éclairer le lecteur n'implique aucunement dicter des choix épistémologiques. Cette capacité à commettre des ruptures épistémologiques doit être distinguée de la simple rupture axiologique évoquée précédemment, ambitionnée précédemment. Une fois que j'ai situé ma question, il m'est alors possible de décider des instruments capables de direction. Cependant, cette réflexivité, cette vigilance épistémologique, bien que nécessaire à l'assurance du caractère scientifique d'un savoir, ne suffit pas. Encore faut-il ambitionner la science, c'est-à-dire une volonté de connaître. De ce point de vue, les a priori me semblent constituer également une source de questionnement scientifique. Les a priori, donc ma deuxième partie, les a priori comme source de questionnement scientifique. Je commence encore par une citation, un peu plus longue cette fois-ci, de Max Weber. En effet, il n'y a pas de doute qu'un anarchiste peut être un bon connaisseur du droit. Et s'il l'est, le point archimédien, pour ainsi dire, où il se trouve placé en vertu de sa conviction objective, est situé en dehors des conventions et des présuppositions qui apparaissent si évidentes à nous autres, peut lui donner l'occasion de découvrir dans les intuitions fondamentales de la théorie courante du droit une problématique qui échappe à tous ceux pour lesquels elles sont par trop évidentes. En effet, le doute le plus radical est le père de la connaissance. Par ces lignes, Max Weber nous rappelle que la décision de connaissance qui fait naître une question, voire un objet, s'inscrit dans un espace de travail disciplinaire. La rencontre de ces espaces et de leurs objets est source de richesse scientifique. Comme l'énonce Edgar Morin, il faut que les concepts voyagent en sachant qu'ils voyagent. Ces considérations rendent bien malaisées des acceptions de la neutralité, d'une neutralité axiologique assimilable, pour reprendre les termes de Philippe Courcuff, à une tentation de purge des aspects axiologiques du travail scientifique. Au stade de la rencontre entre le chercheur ou la chercheuse et son objet, le souci n'est pas celui de la neutralité, mais il réside plutôt dans l'intérêt de la question posée. Il me semble que ces considérations dépassent d'ailleurs nos choix épistémologiques. En considérant l'autonomie de l'objet par rapport au chercheur, ces a priori vont soulever une nouvelle question, ce qui, à défaut de créer un objet de recherche, permet tout de même de mettre la lumière sur une autre partie du réel. Les a priori fournissent donc l'occasion d'un décentrement épistémologique, ce qui permet d'ouvrir la porte à d'autres paradigmes. Dans le cadre de mon travail de thèse, il me semble pertinent de souligner que qu'au sein de mon second master 2 consacré à la compliance et à l'éthique des affaires, j'étais le seul publiciste de la promotion, ce qui a induit la rencontre, je dis ça très humblement, à mon échelle évidemment, ce qui a induit la rencontre, suffisamment intéressante je l'espère pour justifier un doctorat, entre les objets qui constituent mon travail. En plus de provoquer un questionnement relatif à l'introduction de mécanismes de compliance en droit public, ce changement de variable, cette grève juridique, je parle de l'importation de la compliance en droit public, me paraît également révéler, de ce que j'en vois, des difficultés inhérentes à la compliance que nos cadres d'analyse, que nos cadres de travail mettent en exergue. Et ma partie B, c'est ce qui justifie la pertinence ou plutôt la nécessité d'une analyse pluridisciplinaire et interdisciplinaire du droit. Cette pluridisciplinarité doit être autant interne qu'externe. En effet, pour reprendre les termes de Régis Lanneau, vous avez remarqué que je cite beaucoup de mon terroir, la pluridisciplinarité impose de nouveaux questionnements et fournit de nouveaux outils.
Je conclus, en définitive, ce que nous permet le questionnement de nos objets par rapport à nos a priori, c'est à la fois de faire évoluer ces hypothèses tout en saisissant leur intérêt. Ce questionnement fait naître ou ravive un souci épistémologique tout en rappelant la nécessité d'une science ouverte et pluridisciplinaire. Enfin, si je peux me permettre de terminer sur une note axiomatique inspirée des travaux d'Isabelle Kalinowski, qui met en évidence que le problème posé par Weber n'est pas celui de la possession des valeurs, mais plutôt celui de la transmission, et qui souligne que le manquement à la neutralité axiologique consiste en une utilisation malhonnête des valeurs, c'est-à-dire le fait d'utiliser des valeurs qui ne sont pas présentées comme telles. Donc, en partant de cette acception, alors il me semble qu'il existe au sein du service public universitaire un devoir déontologique de questionner ces objets par ces a priori. Encore faut-il que nous disposions des conditions matérielles pour le faire. Voilà. J'ai terminé. Par une revendication de Ferron à ça. Très bien. Ça va finir en banderole, ça va. Bravo pour cette présentation refaite donc rapidement, avec une grande part d'improvisation, n'est-ce pas? Un petit peu. Et c'est bien fait, ça prouve que vous maîtrisez déjà bien votre début de parcours sur ce sujet-là, même si vous avez été déjà formé à réfléchir à tout ça. Donc je pense qu'on peut prendre du temps pour des questions si...